Bonjour tout le monde. Donc la première capsule du cours de Management Général 1 dédiée à la filière SEG semestre 1, groupe EEF, et le suivant. Donc on va voir comme plan, bien sûr, le premier chapitre définition de la notion d'organisation du terme entreprise et celui de l'environnement. Chapitre 2, définition du concept management et profil des managers ainsi que leurs tâches. Chapitre 3, définition de certains concepts managériaux comme la structure, la stratégie, la planification, le contrôle et également le contexte historique de certains courants de la pensée managériale. On commence par le premier chapitre où on va traiter la notion d'organisation, on va essayer de la définir et après on va voir que l'entreprise est un type d'organisation. En premier lieu, ce plan étymologique, c'est-à-dire c'est la science qui étudie l'origine des mots. Le mot organisation provient du mot grec, ce qui signifie organon, qui signifie bien sûr outil ou instrument. Et bien sûr, l'organisation, c'est le fait de déterminer la place de chacun dans l'organisation, ses tâches, ses responsabilités. Et c'est pour cela qu'on peut dire que l'organisation est à la fois un groupement humain. Deuxième chose, c'est un ensemble de responsabilités et de pouvoirs, c'est-à-dire des personnes qui ont une responsabilité précise, ils ont un pouvoir, bien sûr, hiérarchique. Et on va voir la relation entre les personnes qui composent cette organisation, qui est la relation qui est liée, c'est une relation, bien sûr, hiérarchique, c'est une relation de coordination, de collaboration, etc. En principe, on va voir que ce plan humain, bien sûr, il y a deux approches, l'approche psychologique et l'approche sociologique. L'approche psychologique, c'est-à-dire on va étudier en quelque sorte le comportement de chaque membre de cette organisation, pourquoi il se déplace de chez lui, ce qu'il travaille, qu'est-ce qu'il fait comme tâche à l'intérieur de l'organisation, qu'est-ce qu'il fait par rapport à d'autres personnes, comment il coordonne avec les autres, etc. Ce plan sociologique, c'est le comportement du groupe, c'est-à-dire comment le groupe travaille ensemble, comment il coordonne, comment bien sûr, ils prennent les décisions ensemble, etc. Donc, tous ces éléments mettent en place, bien sûr, le caractère humain dans l'organisation. En principe, l'organisation est un ensemble structuré qui est composé par plusieurs ressources, types de ressources, notamment ressources humaines, c'est le personnel, ressources techniques et matérielles, comme, bien sûr, les machines, les équipements, les consommables, les matières premières et les fournitures, ressources financières, les capitaux, les emprunts, etc. Et informationnel, tout ce qui est, bien sûr, études de marché, prise de commandes, etc. Tout ça est mis en interaction pour créer cette organisation, pour la faire vivre et même la survivre lorsque l'environnement n'est pas favorable et la pousser bien sûr à croître dans le temps. Cette entité qui est l'organisation, elle est en perpétuel, c'est-à-dire de manière continue, elle est en échange de flux réels et matériels et informationnels, bien sûr, au sein d'elle et également avec son environnement. Toute organisation se caractérise par quatre éléments. La première idée porte sur une division et une coordination des tâches, c'est-à-dire que chacun s'occupe d'une tâche particulière et qui essaie de coordonner sa tâche, mais ses tâches, ses activités avec les autres. Et également la formulation des règles et des procédures de fonctionnement. Autrement dit, il faut que c'est-à-dire cette organisation fonctionne selon des règles, des principes, des lois. Et bien sûr qu'il faut respecter notamment la procédure, c'est-à-dire le côté procédure administrative, pourquoi la prise de congé un ouvrier ou bien un des membres du personnel doit remettre à son chef hiérarchique après l'accord de la hiérarchie, bien sûr, qu'il peut avoir son congé. La hiérarchie également, c'est un élément essentiel du fonctionnement de l'organisation et c'est lui qui, bien sûr, qui s'occupe, c'est-à-dire c'est le niveau hiérarchique, ce qu'il y a comme rôle, la supervision, la coordination et également le contrôle. La stabilité relative pour atteindre un objectif commun, c'est en quelque sorte l'idée, c'est que les gens qui travaillent, on ne peut pas leur donner une tâche pour quelques heures, après on va leur changer après quelques heures ou bien quelques jours, parfois même après quelques semaines. Donc normalement, on doit leur donner des tâches, des activités, des responsabilités, des pouvoirs bien sûr de l'exécuter bien sûr des responsabilités pendant une période relativement moyenne ou longue. D'accord? Et pour ne pas perturber bien sûr le fonctionnement de l'organisation. En tout cas, toute organisation peut être définie comme un groupement humain qui met en commun leurs efforts pour atteindre le même but.
Et il faut noter il faut mettre, bien sûr, mettre dans la tête que tout groupement d'individus n'est pas forcément une organisation. Parce que l'organisation, d'abord, comme je dis, il doit d'abord, c'est un groupement humain, c'est pas suffisant. Il faut que ce groupement humain, ces personnes du sous-groupe, doivent mettre leurs efforts intellectuels, matériels, physiques, etc., ensemble, qu'ils doivent travailler ensemble pour atteindre le même but ou bien c'est un même objectif commun. Très bien. Et il faut mettre également dans la tête que toute entreprise est une organisation. Mais toute organisation n'est pas forcément une entreprise. Parce que si on prend l'exemple de la faculté, ou bien l'armée, ou bien club sportif, coopérative, ce sont bien sûr des organisations, mais ne sont pas forcément des entreprises. Bien sûr, beaucoup d'organisations diffèrent par rapport à l'entreprise par plusieurs éléments, notamment les objectifs. Par exemple, l'objectif de l'entreprise, c'est un objectif lucratif, alors que d'autres peuvent avoir non lucratif, notamment les établissements publics comme la faculté, comme bien sûr les coopératives, n'est-ce pas? Et leur mode de fonctionnement est différent. Bien sûr, par exemple, l'armée doit respecter la hiérarchie, bien sûr, militaire, alors que dans l'entreprise, c'est un autre mode de fonctionnement. Et également, le comportement individuel et collectif, bien sûr, des membres diffère, bien sûr, d'une organisation à une autre. C'est pour cela que nous allons voir dans la deuxième idée, c'est la notion d'entreprise, quelles sont les approches pour définir l'entreprise et quels sont les différents typologies d'entreprise, ainsi que les finalités d'entreprise. La notion d'entreprise, d'abord, c'est un terme économique et non pas juridique, parce que les juristes n'en connaissent pas ce concept, c'est plutôt pour eux, on parle de société. C'est-à-dire, lorsque vous entendez société, c'est un concept de nature juridique. D'accord? On va voir maintenant l'approche qui va, bien sûr, les approches qui vont essayer de définir l'entreprise. Il y en a trois. L'approche macroéconomique, microéconomique et mésoéconomique. On va commencer par l'approche macroéconomique. Bien sûr, la macroéconomie, c'est l'approche qui étudie, bien sûr, le cercle économique en tant que, bien sûr, un système de fonctionnement de plusieurs agents économiques qui sont l'État, les institutions financières, bien sûr, les entreprises, les ménages et également le reste du monde. Donc l'entreprise est un agent économique dont la fonction principale elle a bien sûr la production, la distribution des richesses et qui va essayer de la créer pour le pays. Et sur le plan microéconomique, l'approche peut définir l'entreprise, mais maintenant on va prendre un élément, un agent, on va l'étudier en profondeur, on va entrer dedans pour voir comment il fonctionne. Effectivement, lorsqu'on va voir l'entreprise, ce plan microéconomique, c'est une organisation qui utilise les moyens, c'est-à-dire les ressources matériaux ou bien techniques, financiers, humains, envie de produire et d'échanger, de faire scaler des biens et services. On peut dire également que c'est une organisation qui cherche à utiliser ses ressources matérielles, informationnelles, financières, humaines pour bien se produire des biens et services, mais dans un but de dégager une rentabilité continue. L'approche mésoéconomique, c'est une approche à la fois micro et macro, dans ce sens que on va percevoir l'entreprise comme une firme, c'est-à-dire c'est une entité économique qui a un pouvoir d'influence sur son environnement micro, en tant que c'est-à-dire entité qui produit bien sûr des biens et des services, mais également qui a une influence sur les grands agrégats économiques, notamment si on prend par exemple les firmes multinationales, les grands groupes comme groupe Chevy, quoi groupe, bien sûr, de bien sûr, Magellan, on va voir, ce sont des groupes qui sont constitués par des grandes entreprises, bien sûr, et ces entreprises, c'est pas facile, bien sûr, de les faire disparaître. Et par exemple, une firme multinationale, son chiffre d'affaires parfois dépasse le PIB d'un pays. Donc, ce qui fait, c'est, ou bien sûr, on prend un exemple également, l'OCP. Si l'OCP, par exemple, disparaît, bien sûr, c'est pas une entreprise comme les autres. Bien sûr, tous les grands agrégations et tous les indicateurs économiques peuvent changer parce que les 20% des recettes économiques du Maroc provient des recettes de phosphate. Également, il emploie 100 emplois, 125 000 emplois, bien sûr, dont 25 000 sont directs et 100 000 indirects à travers les sous-traitants et les sociétés qui travaillent avec l'OCP. Donc, ce qui fait la disparition de l'OCP, c'est pas vraiment facile. C'est pour ça qu'on, par exemple, l'OCP, les firmes multinationales, les grands groupes, on devrait les percevoir selon une approche mésoéconomique. Ils ont un pouvoir d'influence sur les grands agrégats économiques.
Maintenant, on va voir les typologies d'entreprises. On va voir plusieurs critères. Parmi les critères, les classes par secteur d'activité. Et les secteurs primaires, secondaires et tertiaires, comme vous l'avez vu, bien sûr, dans l'introduction à l'économie. Secteur primaire, c'est un secteur qui exploite, bien sûr, les ressources naturelles, comme l'agriculture, les produits forestiers, bien sûr, la pêche maritime, par exemple, ou fluvier, et les activités minières. Si, par exemple, tout ce qui est bien sûr, c'est-à-dire ce qu'on fait, on exploite bien sûr les ressources naturelles sans transformation. À ce moment, on parle du secteur primaire. Et je peux citer, par exemple, pour le secteur agricole, Società, qui est une entreprise publique qui gère un ensemble de fermes qui produit plusieurs fruits et légumes. Pour les forestiers, donc, si on prend, par exemple, l'exemple des entreprises qui découpent le bois, bien sûr, pour le vendre à des sociétés de menuiserie, d'accord. La pêche, c'est lorsqu'on va pêcher les poissons pour les vendre en état fraîche, bien sûr, à des sociétés, etc. Et par exemple, l'OCP pour tout ce qui est activité qui concerne la partie activité minière, on extrait bien ce phosphate en avant brut. Secondaire, c'est le secteur industriel comme le central laitier, comme Somaca, comme donc il y en a plusieurs sociétés, bien sûr, industriellement. Et surtout, tertiaire, c'est le secteur de commerce, comme Marjane, bien sûr, en distribution, tout ce qui est marque télécom, tout ce qui est assurance, banque, etc. Très bien. Donc, deuxième classification, c'est la taille. En principe, on a plusieurs critères, mais on va retenir l'effectif comme critère majeur. Donc, il y a petites entreprises qui emploient moins de 50 personnes. Il y a entre 50 et 200, c'est moyen. Et plus de 200, on parle de grandes entreprises. Mais après, il y a une autre classification, c'est TPE, très petites entreprises, c'est-à-dire des petites entreprises qui sont des entités qui emploient moins de 10 personnes, suite bien sûr à la nouvelle formule de financement, ce qu'on appelle microfinance, et également TGE, c'est-à-dire les très grandes entreprises, par exemple l'OCP, on ne peut pas le comparer avec les autres, et qui emploient des milliers de personnes, donc toute entreprise qui emploie plus de 500 personnes, on peut l'appeler très grande entreprise, TGE. Maintenant, classification selon le capital. En principe, on a des, c'est-à-dire lorsque le capital est détenu par l'État, comme par exemple l'ANCF, bien sûr, c'est l'État et c'est une entreprise publique. Semi public, par exemple, Maroc Telecom, une partie de l'État, le reste pour le privé. Bien sûr, on parle de semi public ou bien semi privé, comme la RAM également. Les entreprises privées, il y en a plusieurs. Donc, chaque fois que des hommes d'affaires créent leur propre entreprise, bien sûr, et sont des entreprises privées. Dernière classification, c'est une classification selon l'ordre ou bien selon la logique juridique. Comme on a déjà vu, les juristes parlent plus en principe de société, ne parlent pas d'entreprise parce que l'entreprise n'a aucun sens sur le plan juridique. C'est pour cela que les juristes parlent de société. Donc il y a deux types de sociétés, société personnes, société capitaux. Société personnes sont des entreprises dont les capitales, c'est-à-dire personnels, c'est-à-dire comme vous savez très bien que chaque personne il a deux dans sa formule, c'est une fortune, pardon, il a une partie personnelle, une partie professionnelle, c'est-à-dire commerciale, c'est-à-dire son entreprise. Lorsque on choisit par une société personne comme société non collective, c'est un type des entreprises, bien sûr, de personnes, il n'y a pas de séparation entre la partie privée et la partie publique. C'est-à-dire s'il y a des dettes envers l'entreprise, on peut saisir les biens personnels de cette personne. Par contre, les sociétés de capitaux, il y a une séparation entre le bien personnel et le bien, bien sûr, professionnel. C'est-à-dire que votre engagement envers l'entreprise n'est qu'un engagement par rapport à votre apport à l'entreprise. On n'a pas le droit, bien sûr, de saisir, bien sûr, vos biens personnels, comme le cas, par exemple, société anonyme, société à responsabilité limitée. Donc, globalement, on a essayé, bien sûr, de définir les entreprises selon ces approches. Et on va voir après, bien sûr, la notion de finalité, c'est-à-dire lorsqu'on parle de finalité, c'est la raison d'être de l'entreprise. À ce moment-là, je vais essayer, bien sûr, de parler, bien sûr, que chaque créateur d'entreprise essaie, bien sûr, lorsqu'il crée une entreprise, il cherche un objectif, bien sûr, une raison, bien sûr, pour qu'il crée l'entreprise, notamment, est-ce qu'il cherche à satisfaire les besoins de la société, notamment pour les entreprises publiques, par l'État, ou bien pour gagner de l'argent, pour, c'est-à-dire à travers les entreprises privées, etc.
Donc on va développer ces points dans les futurs, la future.